Arnaud, troisième étape, troisième victoire, c'était presque comme attendu. Oui, bah après c'est vrai que sur 90 km on peut s'attendre à plein de scénarios, ça a bien attaqué, on a eu du mal à rentrer parce qu'ils ont bien géré devant. Après c'était un final assez tortueux, voilà, avec un pont à 800 mètres de la ligne et puis un virage à 150-200 mètres, donc c'est pas évident à négocier, mais les gars ils ont l'habitude, ils savent où est-ce qu'il faut que je sorte, donc c'était parfait. Et du coup ils savent où est-ce qu'il faut que tu sortes, la petite bosse à la fin, ça te posait aucun problème? Non, bah, c'est vrai que je m'attendais à pire parce que voilà, sur le roadbook on a l'impression que c'est long et dur, mais en fin de compte c'était moins dur qu'hier, quoi. Du coup tu as une belle avance sur le classement général, tu commences au classement général? Ouais, bah, je vais m'appliquer sur le chrono. C'est un exercice que j'aime bien, même si je ne suis pas forcément un grand spécialiste. J'ai déjà réalisé des petites performances, mais voilà, on va essayer de tout donner et puis on fera les comptes cet après-midi. On verra ça cet après-midi alors. Merci. Tu as une idée, je te...